Le vent caresse la cabane. Les arbres dansent avec le vent. Qu'est-ce que c'est agréable. Voilà, moi j'ai pas de gazinière. C'est trop agréable. Je crois que des feux, je dois en faire des centaines, vraiment. Depuis maintenant des années, j'en fais quasiment sûr le matin et parfois un aussi le soir. Là, hein. Ah, ils sont chauds les oiseaux là. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là. Le petit feu. Au début, il y avait du bois de partout. Hop, je m'abaissais, je le prenais. Maintenant, ça fait quand même des années. Bon, à temps plein, j'y vis ici depuis maintenant, comme j'ai dit, bientôt 4 ans. Mais avant, j'étais là par intermittence. Et je prenais quand même du bois. Donc là, voilà, je cours le vélo, toujours avec des bâches vertes, pour être discret. Alors, concernant la discrétion, il y a trois couleurs vraiment à primer. Le kaki, le gris et le marron. Et ça, c'est pas non plus spécialement discret. Alors pourquoi? Parce que ça brille. S'il y a du soleil, ça brille. Il faut du mat. Le mat, ça ne brille pas. Parce que même si c'est couleur kaki, avec du soleil, ça brille et ça attire le regard. C'est des choses que j'apprécie au fil du temps. Donc voilà, le vélo, je suis trop content. C'est le nouveau vélo qui bondit sur les routes. Et l'ancien vélo qui est derrière. Ouais, bon ben, je vais quand même le garder. Par nostalgie, enfin on verra bien. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je voudrais une habitation plus adaptée. En fait, on adapte selon ses besoins. J'ai souvent dit ça. C'est selon nos besoins. Donc vivre dans la nature, ok, mais il faut aussi adapter selon nos passions, selon nos envies. Ça sera différent selon les attentes de chacun. Et rien oublier, parce que voilà, c'est des trucs, ben, j'oublie régulièrement de rentrer les affaires. Petite astuce, si vous avez un chat, je suis parti une petite semaine, et le chat, donc petit fantôme, hein, pour ceux qui connaissent, voilà son assiette et son bol. Donc j'ai un pote qui venait vérifier. Il n'est pas toujours évidemment. Alors j'ai fait un distributeur. Alors comment j'ai fait? Donc j'ai pris un bac en plastique, un truc de cantine. Je l'ai découpé là. Et j'ai pris une bouteille de 5 litres. Je l'ai découpé en bas. Voilà, maintenant c'est vide. Et j'avais pris quoi? Un kilo et demi, je crois, de croquettes. J'ai tout versé comme ça. Donc la main là, hop. Et après j'ai posé comme ça. Et ça a tenu 8 jours. Et les croquettes tombaient tout doucement. Voilà. Génial, hein, et gratos. Donc ça marche, distributeur de croquettes.